bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour la revue du scan 809 de One Piece, alors pas d'intro. Parce qu'on aime pas les intros. Non, plus sérieusement, je sais que vous préférez lorsque ça attaque tout de suite du scan et qu'on est là en mode sérieux, on regarde le scan, ouais, il s'est passé ça, il faut déduire ci et ça. Donc je vous partage avec vous un site qui s'appelle One Piece Gold. Oui, il s'agit d'un site qui partage des hypothèses, qui partage des AMV, qui partage pas mal de trucs. Bon, c'est anglais, mais bon, Google Traduction existe. Donc si vous aimez tout le délire d'hypothèses, vu que les anglais, ils en font beaucoup, bien je vous invite à les regarder, au moins vous pourrez voir ce que j'ai dit. Alors ensuite, on va attaquer la review du scan 809, mais avant, j'aimerais parler d'une chose. Le film One Piece Gold, oui, parce que je vous ai partagé le site avant. Je l'ai découvert justement en cherchant des informations sur la team qui va s'occuper un peu de ce film One Piece Gold et... Que va apporter Oda. Donc il faut savoir que depuis le film Strong World, le film 10, et ensuite il y a eu le film Z, et ensuite il y a eu maintenant celui-là, le film Gold, bah Oda est plus présent dans la production de ses films, dans les films One Piece, il est plus présent. Et c'est pour ça justement, on voit la différence. On regarde Strong World et on regarde les films avant, bah on voit quand même une énorme différence au niveau du travail et du fait que les films sont plus appréciables finalement que lorsque Oda ne travaillait pas dessus. Donc cette fois-ci, Oda est producteur exécutif et je vais vous dire exactement quel va être son rôle. Oui, en gros, Oda en tant que producteur exécutif va surtout se concentrer sur la gestion du budget, les personnes qui vont être engagées pour travailler sur les différents points du film. C'est-à-dire qu'il va un peu toucher à tout, entre guillemets, il va sélectionner les personnes qui vont s'occuper de ce film, les personnes qui vont par exemple dessiner, qui vont faire les costumes, qui vont faire le scénario, c'est lui qui va prendre en charge un peu tout ça. Et au moins comme ça, ça va être un peu comme un prof lorsque tu fais un TP, tu sais, travail, j'oublie ce que c'est, travail personnel je crois. Tu es en train de faire ton travail et t'as ton petit professeur qui passe au-dessus de toi et qui te dit ouais bon là t'arrêtes, tu commences à partir loin, vas-y reviens sur ça. Donc Oda il va faire en sorte que comme pour finalement le film One Piece Strong World et pour One Piece Film Z, il va faire en sorte que One Piece Film Gold ou Gold One Piece Film va pas partir trop loin ou être égaré sur ce que peuvent donner parfois les hors-série, c'est-à-dire des choses pas spécialement bien. Voilà, donc on va faire confiance un peu à cette petite team. Faudra attendre le 23 juillet 2016 pour l'avoir au Japon. Donc, pour l'avoir français, je pense qu'on l'aura d'ici septembre de l'année prochaine. Voilà, il va juste falloir être patient. Oda, il est sympa, hein. Il aime bien faire des films que je pourrais regarder lorsque ce sera mon anniversaire. Moi, je l'aime bien. Voilà, bon, après, je pense que je ferai une petite discussion abonnée avec, justement, bizarrement, des abonnés. Je verrai sur Skype qui sera connecté quand, parce que j'ai quelques idées. J'ai envie de refaire des discussions avec les abonnés, de les repartager sur la chaîne, comme je faisais avant, pour certaines hypothèses et parfois même certaines reviews. Faire vraiment un concept qui est dédié, justement, à rien qu'à ça, discussion abonnée. Pas de prise de tête, on discute de tel ou tel point, et je pense qu'après avoir enregistré cette review, je vais retrouver un peu une équipe d'abonnés qui est très souvent connectée. Il y a une nouvelle tête qui est revenue que j'avais pas vu depuis très longtemps, qui tient d'ailleurs lui aussi une chaîne One Piece France. Voilà, donc j'espère que je mettrai le lien dans la description ou un truc du genre. Voilà, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, il est un peu comme moi, il fait des reviews amateurs en fait. Hein. On n'a pas un énorme budget, mais c'est pas l'excuse pour pas faire de vidéo. Voilà, je suis dans l'ombre, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, donc maintenant on va attaquer plus sérieusement. Le scan 809. Donc déjà, j'aimerais m'arrêter sur juste une chose, c'est la page couleur. La page couleur, je ne parle jamais des pages couleurs de One Piece lorsqu'il y a des pages couleurs, parce que je trouve personnellement que les pages couleurs de One Piece ne sont pas spécialement épiques, belles ou quoi que ce soit. Mais je dois avouer que celle du scan 809, je l'ai vue et j'ai kiffé. J'ai trouvé Franky, Robin, Luffy et Brook, je les ai trouvés puissants. Je sais pas, je sais pas si c'est le bon mot que je cherche, mais Ah, ça dégageait, je sais pas, après c'était le côté aussi un peu mafieux qu'ils avaient, tous avec les lunettes, bien habillés. Non, je sais pas. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer qu'il s'agit tout simplement des trois membres de l'équipage les plus matures. Oui, c'est l'équipage était une famille, et là on a les trois plus grands avec le capitaine, c'est-à-dire Franky qui n'est pas l'oncle mais le père, Robin qui est la mère, Brook qui est le grand-père. Donc vous pouvez voir ça sur One Piece Wikia. Alors je sais vraiment pas d'où est-ce qu'ils tiennent ça, je sais vraiment pas pourquoi, mais de toute façon c'est les trois plus vieux de l'équipage avec le capitaine. Et si je parle de cette image couleur, vu que je l'aime bien, il faut que je fasse un délire. Moi je vois souvent sur le net, sur tout ça, sur tout ce qui va toucher à One Piece, qu'il y a très souvent des analyses de page couleur en fait pour essayer de voir si Oda il a pas laissé un indice pour le futur du manga dans les pages couleurs. Bah personnellement je vais surtout faire ça en fait pour déconner en fait hein. Je vais surtout faire ça pour déconner, mais voilà, donc c'est parti. Donc on peut constater une chose qui est véridique, les quatre membres de l'équipage dont enfin trois fument sur la page,
Robin, Luffy, Brooke et un autre boit du cola. Du cola, Franky bien évidemment, avec un cendrier juste à côté de lui. On peut aussi noter que les jambes sont bizarrement mis en avant. On voit surtout avec Robin qui va avoir un tatouage de papillon, qui est d'ailleurs très sexy, sur sa jambe. Et aussi qu'ils ont tous beaucoup de tatouages. Et on connaît tous un personnage, alors à part Brooke, bon c'est un peu dur, les tatouages ça se fait sur la peau. Et on connaît tous un personnage qui est reconnu pour avoir un peu ce style tribal. Mais le style tribal va être retrouvé sur les jambes de Brooke. Sur les jambes de Brooke, sur son pantalon. Donc on a les trois personnages qui fument, on a les jambes qui sont mis en avant, on a un tatouage tribal, mais c'était pas tout, on peut voir qu'ils ont tous les quatre des lunettes de soleil. Ce n'est pas quelque chose de fantastique en soi, mais la dernière fois que l'on a vu un autre membre de l'équipage, qui d'ailleurs a très souvent les jambes mis en avant et qui fume très souvent, il avait des lunettes de soleil. Les tatouages tribal faisant penser à Kaido, je pense qu'on peut en déduire que Sandy est devenu membre de l'équipage de Kaido. Voilà. Non, plus sérieusement, pour ceux qui auraient vu mes autres vidéos, j'ai parlé déjà de cette idée en speed, en disant que Sanji aurait pu rejoindre l'équipage de Kaido, mais vraiment devenir un membre de l'équipage à part entière, entre guillemets, c'est vraiment une idée qui m'est passée par la tête. Il n'y a rien qui le confirme, il n'y a que dalle, 17 pages couleur, attention. Mais d'un côté, j'aurais pu trouver que ça pourrait être intéressant. On a déjà Robin, certes, qui a quitté, entre guillemets, l'équipage, qui a rejoint le CP9, mais bon, c'était plus du chantage, mais que Sanji l'aurait fait pour infiltrer l'équipage de Kaido, pour essayer de faire en sorte de récupérer le gaz pour peut-être aider Raizu qui s'est peut-être fait capturer, qu'il l'aurait fait en fait pour découvrir un peu l'équipage de Kaido, de Jack, enfin plutôt l'équipage de Kaido mais du côté de Jack, de l'intérieur, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, bon c'est fini les délires, maintenant on va attaquer la véritable review. Donc on reprend en fait tout de suite après la petite punchline de Chopper en disant oui le gaz mortel de César, et directement en fait on va répondre à cette question. Donc je parlais dans ma review précédente que l'arc Zou pourrait être relativement court, qu'il pourrait faire vers les 45 voire 52, enfin j'avais dit 30 mais après mûre réflexion je me dis que 52 ça pourrait être bien, vraiment dans ces zones là 40-50, pas trop long non plus, parce que je me rends compte que Oda contrairement à Dressrosa où à chaque fois on se posait une question, à chaque fois il y avait une nouvelle révélation, on attendait au moins 2-3 scans, voire même pas mal de scans pour avoir une réponse sur la véritable identité de par exemple de Fujitora la première fois qu'on le voit, qui c'est réellement, est-ce que c'est un chasseur de primes, est-ce qu'il opère tout seul, est-ce que c'est un pirate puissant, non c'était un amiral, on avait vraiment pas mal d'intrigues dans la Dressrosa qui mettait du temps en fait à avoir ne serait-ce qu'une petite réponse, qu'un petit indice, mais là très vite le scan 808 se termine, gaz de César, oui Jack il l'a, et dans le scan 809 on reprend, Robin a dit tout de suite oui je vois, il nous explique, César faisait le gaz et Doflamingo le vendait, ça fait que la représentation finalement sur Punk Hazard n'était pas pour toucher des clients fidèles mais pour toucher une nouvelle clientèle. Ouais, merci mes cours de vente. Voilà, mais ça fait que du coup, oui, je sens qu'il y a relativement court, mais j'ai fait une réflexion justement sur le gaz mortel. Est-ce qu'il pourrait avoir un lien particulier avec Punk Hazard ou absolument rien? Puis, parce que Jack, on entend pour la première fois, on entend parler de lui sur Punk Hazard. Donc ça m'étonne d'ailleurs que One Piece Wiki français, il l'est pas. Par contre, le One Piece Wiki anglais, il le dit, qu'il est mentionné, lorsqu'on parle de l'Underground. D'ailleurs, j'ai une petite idée aussi sur eux, mais je sais pas quand est-ce que je vais la partager cette idée. Faut d'abord que je fasse l'hypothèse sur Aokiji. Donc d'ailleurs je vous le dis, je m'occupe de ça, j'ai déjà l'idée concrète de l'hypothèse. Tout ce que je fais pour l'instant, c'est que je relis les commentaires, en fait, pas pour avoir de nouvelles idées, mais pour pouvoir prendre les commentaires qui m'ont inspiré cette hypothèse et en parler. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire les choses bien, je vais prendre mon temps, je vais pas me presser, je vais y aller tranquillement. Voilà. Donc, pour continuer, voilà, la petite réflexion que j'ai faite, c'est que lorsque le gaz, le smiley mange le bonbon qui va ensuite le transformer en gaz, oui, son fruit du démon réapparaît. Puis je me suis posé une question, est-ce qu'Oda a fait cette scène seulement pour nous expliquer comment fonctionnaient les fruits du démon qui réapparaissent dans le fruit le plus proche ou dans le fruit de même type le plus proche, par exemple pour le Sorasora no Mi, le fruit de la salamandre type Axolotl. Je pense toujours au Pokémon. Est-ce que c'est tout le temps dans les pommes? Parce que après le fruit de Kaku, c'était par exemple une banane. Celui de Ace, il me fait penser comme ça à un melon, l'air de rien. Est-ce que c'est pas que ça réapparaît pas dans un fruit, dans le même fruit, entre guillemets? Par exemple, le fruit de Ace, il est réapparu dans le melon le plus proche. Ou est-ce que c'était pour nous dire que c'est pas fini, le smiley va revenir? Parce que je me suis aussi rendu compte que le smiley avait été finalement, entre guillemets, le seul ennemi pendant un arc, entre guillemets, hein, oui, il y en a forcément d'autres, mais la seule créature vivante qui n'a pas été vaincue, je veux dire, les autres, le serpent par exemple, qui s'appelle, j'avais Nola, le serpent s'appelle Nola, le serpent de Skypiea, j'avais regardé justement lorsque j'ai vu que je connaissais pas son nom, le serpent s'appelle Nola, il a été vaincu par Ener, je veux dire, toutes les créatures, tous les animaux, Surume a aussi été vaincu sur Punk Hazard, mais là, on voit vraiment que le smiley se suicide,
il se suicide. C'est-à-dire, voilà, le problème est terminé, je me suicide, il y a le gaz mortel qui se répand. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on va pas revoir peut-être le retour de l'axolote, c'est-à-dire du smiley sur Punkazar, sur Zoo, avec Jack qui serait parti récupérer le fruit de l'axolote pour pouvoir utiliser le gaz mortel de César à sa pleine puissance. Voilà, je me suis posé cette question. Et du coup, je vais pas en débattre plus longtemps parce que c'est vraiment qu'une petite réflexion. Je me dis que ça pourrait être sympa parce que finalement, on n'a pas bouclé la boucle avec ce gaz mortel, avec le smiley. Justement, c'est pour ça que Oda le fait revenir, parce que c'est vrai que l'axolote, le smiley, n'a pas été vaincu. Et que ça pourrait donc être un des enjeux, justement, une chose qui va mettre en danger l'éléphant, c'est-à-dire Zunaisha. Voilà, ça pourrait être ça. Voilà, du coup, je vais passer à la suite. Donc voilà, donc on reprend avec Inuarashi qui va nous faire une petite intrigue sur son passé, entre guillemets. Donc le passé de Inuarashi et de Neko Mumashi reste encore à être découvert. Et du coup, Neko Mumashi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on l'appelle Vipère, en fait. Je vois pas pourquoi. Bon, après, c'était... apparemment, ils ont pris la mer ensemble à une époque. Ils ont dû se disputer pour une raison X ou Y. Bon, c'est un peu des Zoro et des Sanji. Voilà, ils se tapent dessus, ils se battent. D'accord. Mais il nous met la petite intrigue comme quoi il connaissait Shanks. Alors je pense que c'est surtout pour nous dire que cette personne-là est un pirate, est un, vraiment une personne puissante, que c'est pas n'importe qui finalement, même s'il s'est fait battre, même si on le voit blessé sur le lit avec les docteurs à ses côtés. C'est pour nous expliquer, voilà, Inuarashi, il est pas faible, les gars. Il connaît Shanks, il fait partie peut-être de la même trempe que cette personne. Je ne parle pas de terme puissance, quand je parle de trempe, c'est dur à expliquer, trempe. Le terme trempe, une personne de la même trempe, c'est une personne qui va dégager la même impression, voilà, ça sera quand même différent, je sais pas, c'est un mot dur à expliquer, et c'est pas le sujet de cette review de toute façon. Voilà, donc ensuite, on voit ce qui se passe. Alors, dans mon hypothèse sur Inuarashi, je disais qu'il pourrait peut-être être victime d'un sort qui le fait s'endormir. Bon, c'est pas un sort qui le fait s'endormir, c'est tout simplement lui qui a décidé que, voilà, à 18h, il devait faire dodo. Voilà, donc on voit que tous les mix de la forteresse marchent un peu comme ça, qu'à 18h, c'est le couvre-feu, stop les gars, tout le monde fait dodo. Donc on voit un peu aussi le côté animal, les animaux qui dorment, il y a des animaux nocturnes et des animaux de jour, et on voit vraiment que c'est régi par le soleil et la lune. À 18h, même pas on se pose de questions, tout le monde y dort, voilà. Ça fait que du coup, la question que je me pose pour la suite de l'équipage, étant donné que maintenant il va y avoir un peu tout le monde qui va dormir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien, ils vont sûrement partir voir Neko Mamushi, voir le côté des gardiens. Et d'ailleurs, on reparlera plus tard de Neko Mamushi, parce que voilà, j'avais déjà émis des idées par rapport à son caractère, mais je vais y revenir plus tard. Donc voilà, Inuarashi, la nuit, il dort, il se pose pas de questions, il est bien élevé, à 18h, au lit, dodo, même pas je demande un verre d'eau avant de dormir, au calme, t'en fais pas vraiment. Donc la bataille qu'a opposé le groupe de Jack, parce que c'est pas vraiment l'équipage de Jack, vu que c'est l'équipage de Kaido sous les ordres de Jack, qu'a opposé le groupe de Jack au groupe de jour des Minx, il nous est un peu plus détaillé, donc on voit un peu tout le monde. Donc personnellement, les mousquetaires, non. Voilà, moi je les aime pas. Par contre, on peut voir que l'opposition Inuarashi et Neko Mamushi, c'est-à-dire le chien et le chat, on peut même voir ça par rapport à l'inspiration en fait des deux côtés. On a les mousquetaires qui sont bien évidemment inspiration française. Voilà, merci Oda, tu as mis plus d'inspiration française avec Jack le Bandit, c'est pas trop grave. Maintenant, non, c'était Joe le Bandit, je crois. Maintenant, on a les mousquetaires des Minx. Alors moi, personnellement, je les trouve... Voilà, on va me dire, ouais, tu critiques le manga, mais je les trouve ridicules. Je pars du principe qu'ils ont tous des épées, que c'est tous des mousquetaires, donc entre guillemets des bretteurs. Mais franchement, je me pose la question, non, il aurait pu faire une île finalement où c'est pas des animaux, parce que pour le moment, on voit pas le côté animal spécialement influencé sur leur capacité. Ils donnent de l'électricité, ils ont des épées, voilà, donc les mousquetaires m'ont pas fait kiffer. Voilà, je le dis concrètement, les mousquetaires, l'unité des mousquetaires ne m'a pas fait kiffer. Voilà, je ne vais pas même débattre dessus, à part que Wana est un mousquetaire, voilà, donc ça explique son épée, mais on ne nous a toujours pas expliqué pourquoi est-ce qu'elle a les vêtements de Nami. Voilà, donc c'est bien mignon tout ça, mais moi je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle a les vêtements de Nami. Voilà, on voit, bon ensuite, on voit un peu le smile, un peu le pouvoir différent, donc je parlais moi qu'avec une seule partie qui pourrait peut-être être transformée, donc on voit que déjà, il y a un gars qui transforme sa main en une tête de loup, donc le smile... C'est vraiment, oui, c'est pas du tout un Zoan, je veux dire, un Zoan, lorsque tu utilises le pouvoir, ton corps se transforme et tu finis par ressembler à un Minx. Je veux dire, on peut voir ça avec Lucci, tout simplement. D'ailleurs, je compte reparler de Lucci plus tard. On voit ça avec Lucci, que c'est parti, par exemple, sa main devient la main d'un léopard. Bah là, c'est le contraire, la main devient une tête de loup, c'est-à-dire que le smile, en fait, attribue le pouvoir d'un animal, certes, mais c'est pas un Zoan, ça n'a rien à voir, on peut, apparemment,
modifier une partie de notre corps en une partie quelconque de l'animal. Alors c'est peut-être ça le résultat, peut-être qu'on peut modifier que le bras, que les bras, parce que pour le moment j'ai pas vu de, spécialement de personnes ayant mangé un smile utilisé pour modifier une partie, une, plusieurs parties. Voilà, la personne qui utilise le loup ne transforme que sa main, pourquoi est-ce qu'il ne se transforme pas entièrement en loup? Et donc la partie lorsqu'on mange le fruit du démon, on voit des tatouages. Donc le doc avait parlé justement de ces tatouages. Bah maintenant j'ai fait un peu plus attention maintenant. Les tatouages, oui, qui se déplacent là où va avoir lieu la transformation apparemment. Voilà, donc c'est pas une partie en particulier. On peut apparemment se transformer en la partie. Avec le tatouage, je peux se transformer en n'importe quel animal, finalement. Pas en n'importe quel animal, mais en n'importe quel membre de l'animal. Voilà, donc ça continue. Et ensuite, on a les Minx, les trois mousquetaires qui arrivent. Alors, on a Sicilian, le lion. Ensuite, on a le loup à côté. Alors, je ne sais pas si c'est un renard ou un loup, en fait. Dit comme ça, j'ai du mal à voir la différence. On va miser sur le renard. On va miser sur le renard. Un renard, un zèbre. Ouais, bon, moi, j'avais dit que je voyais un loup. Voilà, bon, c'est un renard et un zèbre. Voilà, mais franchement, non, franchement, les mousquetaires, ils me charment pas. Les mousquetaires ne me charment pas. Il y a vraiment que, du côté journée de l'île, il y a vraiment que le duc Inuarashi qui je trouve, boum, quoi. Je trouve qu'il envoie du lourd. En plus de ça, je vous parlais des épées, mais d'ailleurs, Inuarashi me fait très bien comprendre. Alors, il va jeter son épée, et sans son épée, il va être à l'aise face à Jack. Voilà, il va pas avoir trop de problèmes. Voilà, donc je sais pas, j'ai rien de particulier, mais je trouve que mettre des épées partout, en fait, au bout d'un moment, c'est un peu lourd, en fait. Depuis Pika, j'ai été traumatisé. J'ai rien de spécialement contre, mais les épées, c'est de moins en moins original de façon globale dans le manga, hein, c'est pas seulement dans One Piece. Voilà, donc j'aime bien le côté que soit on utilise des armes différentes, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais féliciter Bleach, parce que le mec, il a une imagination de fou par rapport au pouvoir, même si je déteste ses scénarios, les pouvoirs, ils sont excellents. Mais bon, bref. Voilà, donc on a Inuarashi qui va se tenir face, et je parlais de la trempe, la même trempe que Shanks, et bah, cette fois-ci, voilà, on voit vraiment que le coup de trompe qui avait apparemment mis mal tout le peuple, qui avait dégagé pas mal de mines, tout ça, Inuarashi a sans problème réussi à l'arrêter. Et là où je trouve que la plus grosse annonce de ce scan, la plus grosse annonce, franchement, pour le moment de Zou, c'est qu'on passe une étape, on passe à une étape supérieure. On n'est plus dans... dans le 100 millions, dans le 300 millions, dans le 500 millions. Voilà, c'est justement pour ça, je veux dire. Les primes sont un peu la façon qu'on va avoir d'évaluer la puissance d'un adversaire ou même d'un membre de l'équipage. Et le fait que les primes évoluent, en même temps que l'équipage, on voit que la puissance augmente, entre guillemets. Alors, même si One Piece n'est pas un manga qui va particulièrement chercher à toujours faire le prochain, l'ennemi suivant est plus fort, on peut voir ça, par exemple, je vais prendre tout simplement Alabasta, Jaya, Skypea, Foxy. On voit bien que Crocodile était bien plus fort que Bellamy, qu'il a mis Luffy plus en difficulté que Ener l'a fait, et que Foxy justement est encore plus faible qu'Ener. Il n'y a pas une recherche à chaque fois de surenchérissement de la puissance à chaque nouvel arc. À chaque nouvel arc, il n'y a pas spécialement ce côté. Je veux dire, par exemple, depuis Marineford, Audi et César, avant Doflamingo, ils n'étaient pas spécialement plus forts que des ennemis précédents. Ils utilisaient pour leur part des armes ou des stratégies, des bonus qui allaient booster leur puissance. On avait les pilules, les stéroïdes pour les hommes-poissons, et on avait le gaz mortel pour César, on avait le Shinokuni pour César. Et donc au niveau puissance, ils n'étaient pas spécialement plus forts, mais ils étaient toujours un peu plus dangereux parce qu'ils faisaient justement, ils avaient une attitude différente, tout ça. Mais il n'y a pas un enchérissement de la puissance, mais ça ne change rien au fait que on évolue, maintenant on est dans le nouveau monde, les règles sont différentes, c'est plus régi par les Shichibukai ou par la marine, il y a les quatre empereurs, il y a leurs hommes, il y a le monde de leur underground, voilà, on change un peu d'univers, de monde de côté. Et après Doflamingo, ce qui m'avait pas plu avec les primes, c'est que justement je ressentais pas la même évolution de l'équipage finalement. L'évolution de l'équipage, on a Luffy qui avait 30 millions de berries, qui est passé à 100 millions ensuite, donc on passe à la centaine au-dessus, qui passe à 100 millions. Zoro qui a ensuite sa prime de 60 millions si je me souviens bien, 60 millions de berries ensuite, voilà, c'est-à-dire que même le second équipage commence à avoir la prime. Ensuite, les prochaines primes, du côté de Luffy, 300 millions de berries, on triple la mise, c'est pas rien quand même, c'est trois fois plus cher. Tous les membres de l'équipage, même Chopper qui a 50 berries, tous ont une prime, c'est-à-dire que le groupe devient dangereux. Ensuite, voilà, après l'ellipse, on les voit sur les hommes-poissons, des adversaires qui semblent très puissants sont battus plus ou moins facilement. Le second a même été capable, parce que Zoro est d'ailleurs le deuxième à battre le boss d'Anarch, hein, le premier temps Wiper. Voilà, de souvenirs, là aussi. Voilà, il y a l'évolution, on ressent. Et par contre, malgré le fait que Dressrosa est un arc très bien,
Je trouve que cette évolution de l'équipage, finalement, elle se faisait pas ressentir. On a que Luffy, finalement, qui a eu le Gifrost, qui a eu quelque chose. Zoro, ensuite, avec les lames noires. Mais par exemple, pour les autres, on a Usopp aussi. Non, quoique, oui, on a Usopp qui a commencé à développer une sorte de haki de l'observation. D'ailleurs, j'en parlais dans la review de ce scan-là. Mais après, on a Franky qui fait du boxing. On a Robin qui, comme à chaque arc, finalement, ne se bat quasiment jamais. Voilà, et les primes, finalement, surtout par rapport à Luffy, qui était de 400 millions après la guerre de Marineford, passent à 500 millions. Voilà, il n'y a pas cette même augmentation. Tirage où, d'ailleurs, c'est bizarre, mais les primes de l'équipage de Luffy, justement, augmentent grandement, finalement, pour les autres membres, mais pas pour Luffy, alors que c'est Luffy qui a vraiment une évolution de la puissance qui est nettement visible dans l'arme d'Dressrosa. C'est surtout pour ça que je ne les ai pas trouvées très pertinentes, les primes de Dressrosa, en fait. Mais justement, avec Jack, ça se modifie avec Jack. On change justement cette impression. Le prochain adversaire est le premier adversaire, le premier membre, le premier personnage de One Piece qui va parler de milliards. On passe du million au milliard. Et je trouve franchement que cette évolution est nécessaire, entre guillemets, pour le manga, parce que ça faisait un moment, moi, entre guillemets, que je m'attendais à peu près à ça. Je m'attendais vraiment à ce que Luffy se rapproche plus du milliard. 500 millions, c'est pas assez justement pour ça. Qu'il soit pas à un milliard, mais 600 millions, je trouve que ça aurait été mieux que déjà 500 millions, voire même peut-être 650 millions. Oui, alors on pourra me dire tout ce qu'on veut, on pourra discuter des primes, mais là vraiment on ressent que l'équipage évolue, que l'équipage va affronter un adversaire plus puissant. Et justement, Jack a encore des choses à réserver. Bon, ensuite la bataille se déroule, les épées sont électriques, il y a boum boum, il y a tout le monde qui se bat, tout le monde qui fait des trucs, on a l'unité des mousquetaires qui demande aux autres de partir, voilà, il y a quelques petits affrontements, quelques échanges de coups qui ne sont pas très détaillés. Non, je trouve toujours cette électricité ridicule. Je suis désolé, je trouve l'électricité des Minks ridicule. Je peux pas dire le contraire. Ensuite, oui, on a l'équipage de Jack qui fait face à la première éruption pluvieuse. Voilà, donc ça avance, le combat se déroule. Et ensuite, on atteint 18h. Et justement, la face de l'île change complètement. Inuarashi se retire. Et on a donc du coup Neko Mamushi qui... le chat vipère qui fait sa première apparition. Alors franchement, je vois pas pourquoi Vipère, mais c'est peut-être par rapport à son comportement après qu'on a rajouté Vipère. Donc c'est vraiment un chat, hein. C'est vraiment un chat, c'est pas un lion, même si ses cheveux peuvent faire penser à un lion. Donc la face de l'île change. Donc si je parle de Lucci, c'est pour conclure la vidéo, entre guillemets, vous allez comprendre. C'est tout bête comme déduction. Et franchement, je trouve que contrairement justement au groupe des mousquetaires, on a l'équipage de Jack fait penser un peu aux, comment ça s'appelle là, les gars qui partaient, les Anglais lorsqu'ils étaient en Inde et qui partaient leur style dans Tarzan. Tu vois Clayton dans Tarzan, la veste qu'il a, c'est un Anglais chasseur. Le groupe de Neko Mamushi, il fait penser à ça. Donc Neko Mamushi comme chien et chat, le jour, la nuit, Anglais, Français, voilà. Ensuite, il va y avoir le délire de la guerre de 100 ans, peut-être qu'il va être développé. Voilà, on voit les positions des deux groupes. L'opposition des deux groupes, alors ils ont l'air beaucoup plus sauvages. Ils sont tous énervés, tout le monde se lance dans la bataille, il cherche même pas à dire bonjour les gars, oui enfuyez-vous, non, Neko Mamushi il arrive, il va péter la gueule à Jack, c'est tout ce qu'il cherche à faire. Non, on voit vraiment, et justement, ces mix-là sont, je trouve, beaucoup plus énervés, beaucoup plus puissants, ils ont l'air, hein, en tout cas plus puissants que le groupe d'Inuarashi, même si je pense qu'il y a une égalité, voilà, leur comportement en tout cas a l'air d'être beaucoup plus sauvage. Voilà, on parle des animaux nocturnes, donc on a le droit surtout à des félins et à un cerf tout à droite qui est énervé. Alors non, c'est pas un cerf, mais en tout cas il est énervé. Voilà, on a un dingo à gauche. Voilà, on ressent, j'ai l'impression que le groupe des gardiens va vraiment être le groupe le plus qui va nous réserver le plus de surprises. Du coup, ce groupe là, rien que son arrivée, il y a quelque chose que je trouve intéressant. On a Inuarashi le premier qui va arrêter le coup. On voit la différence aussi de comportement, hein. Les gardiens se lancent dans la bataille, même pas ils cherchent à dire « Ouais, Jack, arrête, ça sert à rien de t'énerver, tu peux chercher, y a pas de problème. » Non, il arrive, mais tu dégages, tu sors Jack, dehors, allez, oust. Voilà, et pas de négociation possible. Neko Mamushi, il agrippe la trompe de Jack. Il a triple la bombe de Jack, il te fait des petits saltos, petits stylés comme ça, boum! Il te met le petit Jack, un milliard de berries! C'est pas lourd, un milliard de berries. Il le met par terre au sol directement, malgré encore une fois, ces hommes qui l'ont donné des louanges, tout ça. Neko Mamushi, vraiment l'opposé de Inuarashi, cherche pas à discuter, on cherche pas à comprendre. Et d'ailleurs, il me fait penser à rien du tout. Non, il me fait penser à rien du tout. Voilà, et donc Neko Mamushi arrive et... il fait mal.
Voilà, contrairement à Inu Arashi, qui va accueillir un peu l'équipage comme on lui semble, Neko Mamushi va parler du samouraï en lui disant « Ouais, s'il y avait un samouraï ici, moi je l'aurais déjà bouffé. » Voilà, il arrive et on voit vraiment que c'est lui qui va être le côté qui déteste les humains. C'est lui qui va apparemment attribuer la mauvaise réputation des Minx. C'est un peu le voyou des Minx, voyez-vous. Voyez-vous, voyou. Voilà, c'est un peu lui, justement, qui va avoir cette, ce mur entre lui et les humains. Les humains, ils ont rien à faire ici. S'il y en a un qui est là, il va le payer. Voilà, et ça fait que du coup, l'équipage, ok, on a le flashback qui va nous montrer ça. L'équipage n'a pas encore, au même titre que Inu Arashi, affronté, vu de face, Neko Mamushi. Et ça risque pas d'être la même chose, ça risque pas d'être le même résultat. Déjà que la première fois que Luffy va voir un gardien, il va Rudy, du coup le taureau, il va se battre contre lui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'il va se tenir face à Neko Mamushi. Il l'aime. Si on voit le rapport comme chien et chat, il va aimer. Il l'aime. Inu Arashi le respecte déjà première vue et il risque au contraire avec Neko Mamushi d'être un peu plus dans la provocation, de un peu moins l'apprécier et ça risque d'être un peu réciproque mais d'être quand même un peu, vous savez, un peu enfantin. Voilà. Et ça fait que du coup, le dernier point sur lequel je veux revenir, bah, c'est tout simplement Jack. Alors j'ai prévu aussi pour le One Piece Gold de faire plutôt une discussion. Et je me demande en fait comment Oda va développer en fait le côté mammouth. Comment il va rendre ça plus puissant que plus puissant qu'autre chose. Je veux dire, je me suis dit, Jack, il a quand même encore deux formes qui n'ont pas été vues. Alors sa forme humaine, tout bêtement, et sa forme hybride. Et sur Galaxy Entertainment, il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'a pas encore vu justement ce côté-là de Jack, le côté humain, le côté hybride. Et à la fin, lorsque Jack se fait mettre à terre, lorsqu'il est au sol, il va se relever en forme humaine. Et ça fait que du coup, le 1 milliard de Berry, parce que c'est pas la forme la plus puissante, comme je voulais parler de Lucci justement pour ça, la forme la plus puissante de Lucci, ce n'est pas quand, lorsqu'il est totalement en léopard, c'est lorsqu'il va être hybride. Ça fait que du coup, Jack n'a pas encore montré toute sa puissance. Hein. C'est le membre du groupe Galaxy Entertainment qui a dit ça. Et ça fait que du coup, j'ai hâte justement de voir ça. Moi qui parlais du fait que je ressentais pas spécialement la puissance, Oda il lui a mis le 1 milliard de Berry, déjà pour commencer. La forme du mammouth, c'est pas la forme la plus puissante, c'est-à-dire que Jack, il reste encore des capacités à découvrir. Peut-être même qu'il a, un peu comme pour Lucci, une autre capacité, une autre technique, un truc autre que juste un Zohan très puissant. Eh bien, on verra bien. Voilà, on verra bien. Et ça fait que du coup, pour le scan 810, voilà, on est déjà au 10e scan de cet arc. L'air de rien, il a commencé 801. Hein. On est déjà au 10e. Il y a un peu de tout qui se passe un peu plus vite. Il n'a pas l'air d'avoir, à part Jack, il n'a pas l'air d'avoir de personnes très puissantes dans son équipage. Ça fait que du coup, j'ai commencé à me dire. Ce que je voulais dire, c'est que le scan 810 va commencer et que peut-être enfin. On va voir la Sandy, on va un peu apprendre plus sur ce qui lui est arrivé. Peut-être que ça va avoir un rapport avec la prime, même si je sens que Oda va réserver la prime pour plus tard. Le Only Alive sera expliqué à la fin de l'arc Zoo. Voilà, je le sens comme ça. Et j'ai aussi une autre réflexion, voilà, pour conclure un peu cette review. J'ai un peu parlé de tous les points que je parlais. J'ai pas d'hypothèses particulières qui vont ressortir de cette review. Par contre, j'aimerais faire juste pour terminer une petite réflexion, c'est par rapport à Ryugaou. Je me suis posé une question, est-ce qu'on le verra pas à la fin de cet arc, juste une petite apparition. Et puis je me suis posé la question suivante. Bon oui, j'ai déjà dit qu'il a mangé le fruit de la terre, hein. Je vais pas le répéter ça, même si je viens de le faire. Mais il faut savoir que les 4 amiraux qu'on a vus, Sakazuki, Borsalino, Kuzan et Isho, en gros, voilà, bon les 4, ils ont chacun une conception de la justice, une devise de la justice différente, hein, même si pour celle de Fujitora ça n'a pas été dit clairement. On a Aokiji qui était la justice à la cool, Sakazuki qui était la justice sévère, entre en gros. On a Borsalino qui était la justice flemmarde. On a Fujitora qui arrive avec une justice de l'honneur. Et maintenant, je me pose la question, ça va être quoi celle de Ryugaou? Je veux dire, au début, je m'attendais à un personnage énervé. Ensuite, quelqu'un m'a fait la réflexion que Fujitora faisait penser un côté à Kainu et un côté à Okiji. Rouge et bleu, ça fait violet. Si on part de ce délire, Ryugaou, il va avoir peut-être un côté Aokiji et un côté Kizaru, qui va donc mélanger le bleu et le jaune qui donne le vert, taureau vert. Et il y a une justice entre la justice à la cool et la justice du flemmard, qui va être la justice où finalement des fois on va laisser les choses passer parce que c'est pas si méchant, et de l'autre où on va essayer d'en faire le moins possible. Il y a une autre justice qui n'a pas encore été vue. On a Aokainu qui fait un excès de zèle, on a Fujitora qui vaut d'honneur, mais il y a la justice protocole. J'ai donc commencé à me dire que Ryugaou pourrait tout simplement être le premier amiral de la marine qui n'a pas de prétention particulière, qui fait juste son boulot. Je suis le protocole, mon pote, hein. Je fais la justice dans les règles.
Et donc voilà, c'est la fin de cette review. Donc on va taper un peu dans le 30 minutes. Je veux dire, ça risque d'être comme ça à chaque fois. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Mais un scan, il n'y a pas seulement à dire que telle image était jolie, tout ça. Il faut développer, il faut dire un peu ce qu'on a ressenti. On est tous là pour partager nos avis, nos impressions, nos hypothèses. Je vous invite à faire de même dans les commentaires. Voilà, vous êtes quitte à avoir regardé cette vidéo, autant le faire. Il y a le film Gold. Il y a le film Gold qui est sorti. On a la première apparition de Neko Mamushi. On a la forme de Jack humaine. On a Luffy qui risque de rencontrer Neko Mamushi prochainement. Voilà, Sanji, qui allez ? Allez, Sanji, reviens ! Putain, au bout d'un moment, j'en ai marre, moi, je veux te voir. Voilà, sur ce, c'était Rager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder. Je vous ai mis le petit gameplay mode rêve. Alors, je pense que lorsque j'aurai débloqué le mode cauchemar, je risque de faire des vidéos dessus, vraiment détendues. Voilà, sur ce, moi, je vais voguer à mes occupations. Donc, je pense que je vais aller faire enregistrer un autre épisode du Let's Play. Parce que j'en ai déjà un enregistré, mais j'ai pas encore fait le rendu parce que je vais d'abord faire la review. Et donc, sur ce, oui, je vais faire le montage. Hein. Oui, c'est quand je termine une vidéo, je fais tout le temps le montage après. Donc, sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche, bon bâton de bois. Et vu que les bons, à chaque fois, ça a changé, je sais pas qu'est-ce qui est bon. Bah, bon week-end! C'est vrai que c'est le week-end. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.